Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode du Let's Play de Kingdom Hearts Chain of Memories. Et donc la dernière fois on s'est retrouvé avec un épisode pas très intéressant, mais cet épisode c'est la dernière carte de notre... Enfin la dernière carte lieu qu'on possède. Du coup il va sûrement se passer quelque chose de très intéressant une fois qu'on reviendra de ce monde. Parce que je pense qu'une fois dans le monde, il va pas trop se passer grand chose, comme d'habitude. On va taper des gens pour avoir les cartes, pour avoir la possibilité d'entrer dans les portes, aller défoncer le boss, on revient, et c'est là que ça va être intéressant. Mais sinon, je pense pas que ça va être un truc de ouf, honnêtement. On verra bien. Et on se rapproche de la fin du Let's Play, donc pour ceux qui n'aiment pas trop le style... The Chain of Memories avec les cartes, ne vous en faites pas, c'est bientôt terminé. Il me semble, si je dis pas de conneries. Poète. Malheureusement, on doit passer par là pour... Bon, comme ça, ça fait. On doit passer par là pour comprendre vraiment l'histoire de Kingdom Hearts, parce que sinon on n'aurait pas compris ce qui se serait passé entre le moment où ils sont partis. En tout cas, ça fait du bien de retrouver ces cartes. Iou. C'est fait. Toi tu card break toi. Toi tu card break, t'es sérieux? Et voilà. La fleur elle a fanny et tout. Niveau suivant, 359, ok, ben on n'est pas très loin de passer au niveau suivant. J'ai oublié de regarder la carte. Où ça mire là? Oh, 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 oh. Chaud hein, quand même. Va falloir faire beaucoup, faire beaucoup, beaucoup de combats. On va peut-être pas l'utiliser maintenant. La pièce où attaquer le premier inflige de lourds dégâts au sang-cœur. Ça c'est cool ça. On va peut-être essayer de faire quelques... Voilà, ça va faire de lourds dégâts. Si on en croit la légende. Si on en croit les légendes, on les a one shot. Donc bon, je pense que c'était quand même assez... Ouais, c'est une fois qu'on ne monte pas sur la marchandise. Et je dis n'importe quoi, laissez-moi tranquille. Oula, on va faire un truc de fou là. Ok, allez. Voilà. Une carte 3, coin saumon. Booster de HP, parce que je pense que le booster de ténèbres là, bon, c'est pas comme si on en avait plus trop besoin, mais ça va quoi, ça. Hop là, ça c'est fait. Oh merde! Voilà. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là, mais ça a fait de très très lourds dégâts. Ça veut rien dire, de très très lourds dégâts. C'est pas français. Dark Ricouille quand même, il est assez stylé de 1 et il est très très fort également. Donc du coup, on va continuer par ce chemin là. On peut sauter. Yop. Yop là. Une carte 2, on va voir si on a ça. Coin assommant. Assomme tous les 100 coeurs. Ouais, bon. Okay. On va dire que ça passe. Un petit long chargement. Ok, évidemment ça va pas tout droit, sinon c'est pas drôle. J'ai comme l'intuition qu'il faut aller en haut. Ou en bas, je sais pas. Aucune idée. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Le truc lourd dégâts c'est quand même mieux. Hein. Au moins comme ça les one shot tous. Y'a pas de blabla. Par contre tu vas vite te calmer toi.
Donc là, élan sidéral, ça fait bien mal. Enfin, ça fait bien mal. Ça attaque en zone, quoi, c'est cool. Après, bien mal. Pas vraiment, hein. Bon, par contre, le coup de semer des ténèbres au dernier mob, quand il reste plus qu'un coup à mettre, c'est pas la meilleure des choses à faire. Bon, allez, on va monter en haut, de toute façon. On n'a pas trop grand chose à perdre, j'ai envie de dire. Pièce infestée de sang-cure qui se déplace lentement. Ok. Là, ça va encore, on a des cartes à peu près, mais quand on n'aura plus de cartes, ce sera pas la même chose. V6 Halloween. Ok, apparemment, c'était pas par là. J'en ai bien l'impression. C'est pas grave, de toute façon, on va sûrement devoir passer par là pour rentrer au château Oblivion dans le pire des cas. Oui, dans le pire des cas, parce que... Ok, il faut qu'on saute tout en bas. Ouais. Une carte 4. 4. Ça doit bien être par là. On y va. Une 5. Nickel. Alors. Ok. Vous voyez là-bas. Je vais pas écrire. Faut dormir à nuit, tu vois. Alors, carte 6, je crois pas que j'en ai. Ah, j'ai une carte 8. Je sens qu'il va falloir se battre. Après, il y a un sang-cure juste devant moi. Je me suis toujours demandé si on se bat ici, ça fait quoi? Enfin, on voit un tout petit peu quand même. Non, en fait, on voit. On calme. On va faire un sort. Un élan sidéral, vu qu'ils sont beaucoup. Ça va être pas mal là. Voilà, une carte tirage, ça c'est cool. Bon, c'est une 2 malheureusement, mais c'est une carte tirage quand même. Ça veut dire où se battre. Ah là, ça va être le bon moment pour l'envoyer. Ok, ça a duré environ une seconde. Et arrête de te mettre sous terre. Allez, donne-moi la carte. Une carte 1, super, m'en bats les couilles. Bon. Ça semble que ça. Je me disais bien que c'était pas normal. Pas besoin de Mickey là-bas, restouter. On s'occupe de tout. 3, non, c'est une 9 qu'il me faut. J'arrive jamais à les attaquer bien, c'est un truc de fou. Voilà. Allez, venez tous, je vous attends. Darkness. C'est tout de suite plus intéressant hein, quand on a Dark Frigo. Une 4. Y a pas des yeux jaunes qui traînent par là? Ah voilà. En fait, il nous faut soit une carte 0, soit une carte 9, hein, de ce pas.
Donc du coup, à mon avis, cet épisode va être un peu plus long que les autres. Enfin, que les deux derniers, du coup. Parce que du coup, va falloir XP. C'est peut-être un peu barbant pour vous, mais... Vous allez subir avec moi, je m'en bats les couilles. C'est de l'humour, pour ceux qui comprendraient pas, parce que... Parce que dans la dernière vidéo DBZ, au nom où j'ai dit... Piccolo, il part comme un juif. C'est de l'humour, hein. Mais sauf qu'il y en a qui n'ont pas compris. Et qui ont disliké pour ça. Donc bon, si on n'a rien le droit de dire... Voilà quoi. Ne soyez pas stupide, j'insulte personne. Enfin. Une carte 9 s'il vous plaît. Ah, une 7. On va booster l'attaque un coup. Ok. On va peut-être aller un peu plus haut. Oui, oh, voilà. Bon, bah tant mieux. Faudrait que je mette ma carte tirage et qu'on arrive à y... Oh, il va se calmer. Ça, que la carte tirage, au moins, on peut avoir tout ce qu'on veut. On reprend tout. Carte 3. Ça pue la merde. Mais ils sont sérieux avec des cartes neuves partout. Hein. Comment vous voulez que je m'en sorte, moi? C'est terrible, ça. Attends, il y en a un. Là, je l'ai eu. Là. C'est vrai, je sens un cœur tout pourri qui me carte break là. T'en fous. Je vais tout faire pour être en mode dark, voilà. Ça fait beaucoup plus mal. Qui veut se battre? Bon, toi, bah, vas-y, voilà. Une carte 7, j'en veux plus. On va aller là-bas. On va essayer de mettre une carte tirage parce que... Hein? Mais non! Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Évidemment, je sais pas ce qu'il faut. Évidemment, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, on va attaquer des 5 heures encore ici. Si par contre ça dure encore environ 5 minutes... la vidéo coupera là. Si ça dure encore une... Enfin, je vais essayer de la couper là. Une carte une, superbe. On s'en bat les couilles. Voilà. Bon, moi, le truc, c'est qu'on fait plein de cartes. C'est déjà pas mal. Alors, qui est le steak ici? J'écoute. Une carte 2, on s'en bat les couilles aussi. Ah non, pourquoi moi? S'il vous plaît. Et reviens. Mi. Mais tu me fais exprès? Je chasse au moins. Ah, darkness, ça va faire mal. Allez, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo là, puis on se retrouve une fois que j'ai la carte 9. À tout à l'heure. Et donc voilà, donc on se retrouve avec une carte 0 et donc normalement ça devrait suffire hein, parce que je crois que
On peut mettre une carte 0 tout simplement. Ouais, c'était bien, alors, je me disais. Donc du coup, j'ai dû faire pas mal machine arrière. J'ai affronté pratiquement... Enfin même, je crois que j'ai affronté tous les 100 cœurs qu'il y avait dans les deux salles noires. À moins qu'on en revoie un avec ses petits yeux. Je crois pas. Il me semble qu'on a tout affronté. Du coup, on va aller ouvrir cette porte là-bas qui va nous mener au truc. Mais ça se trouve, il y aura peut-être encore une carte qui va nous manquer. Voilà, donc une carte d'héros, ça passe. Tant mieux. Alors, que nous réserve cette porte en face? Hi, voilà, moi j'attaque, moi. Ça sert à rien, mais je le fais. Si, il vous plaît. 5 en carte bleue, c'est tout? Oula! Ah, et moins? Ouais, voilà. Oui, ok. Mais... Ok, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, ça passe. Donc là, évidemment, le boss, je crois que c'est l'autre, là. Le sac de tout pourri, là. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, lui. Salut! Alors, je sais plus vraiment comment ça se joue. Il me semble qu'il faut... Voilà. Allez, là, on peut l'attaquer. Il est sérieux à être fort comme ça, hein? Donc tu m'attaques, toi, t'as compris. Ouais, évidemment. Il nous réjecte dehors tout de suite. Là. Voilà. Ok, il a disparu. Oula, là par contre, ça va pas être la même histoire, mon vieux. Bon, apparemment, tu résistes quand même pas mal. Hop là, hop là, hop là, hop là, gagné. Bim. Ouh, la vie. Ouh, la vie. Ah, lui là, il a pris la teub, hein, honnêtement. Honnêtement, il a pris cher. Envoie tes dépourris. Voilà. Nickel. Oula. Là. Hop les. On va l'attaquer comme ça jusqu'à la fin, je crois. Et voilà. Et un petit duel. Et gagné. Et c'est la fin pour lui. Et bim. Voilà, on l'a battu assez facilement, ce boss, je dois dire. Pas trop de stress. Comparé au boss du dernier épisode où c'est qu'il nous restait 1 mm de vie pour le battre, c'était quand même chaud. Bon, on l'a battu du premier coup. En pas très stratégique, plus en mode bourrin, mais ça passe. Et voilà, c'était donc Oogie Boogie qui s'appelait. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus, mais en fin de compte, je crois que l'épisode il va pas être aussi long que ça, à moins qu'il y ait pas mal de cinématiques après, mais. Je ne pense pas. Par contre. Je dois aller où? Ok. Ah, faut que j'aille tout là-bas, je crois. Si je dis pas de conneries. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Terre d'amitié. J'espère que ce sera que des petites cartes là. Parce que j'ai pas beaucoup de grosses cartes, j'en ai même pas du tout, je crois. J'ai affronté que des boss pourris. Enfin, des boss. Que des. J'ai eu que des cartes pourries, disons. Même en faisant plein de combats. Par contre, vous allez me laisser tranquille, hein. On fait comme ça. Espèce de grosse merde. Bon, au pire, on va faire ça direct. On va faire les triangles. Allez, avec eux.
Ok. J'allais dire, avec la chance que j'ai, je vais débloquer une vieille carte neuf là, tu vois, qui va apparaître d'un coup. 2, ça fait 1, 4, voilà. J'avais dit que j'avais que des cartes pourries. Je mentais pas. Là, on va essayer de... Yuppé, de monter là. Je crois que j'en avais une de 5, ouais. Donc cette fois, on va à droite. Une carte 6, je devrais avoir ça. Ouais, une 7, tiens, je te la donne. Je suis sympa. Donc, normalement, ça devrait être ouvert par là. Yeah. Monte à l'échelle. Bon, il est long, toi. Non. Voilà. Et voilà, donc là, c'est à partir de maintenant qu'à mon avis, ça va être très intéressant. Sachant qu'on n'a plus de cartes sur nous pour aller dans d'autres mondes. Donc il y a sûrement quelqu'un qui va intervenir pour nous en donner une. Ça va être le bordel. Allez, c'est parti.匂いでわかる。お前も存在しないものだな。見事な戦いぶりだ。それほどの力を持ちながら闇を恐れるとは惜しいな。恐れてなんかいない。俺にはわかる。お前なら闇を支配するものになれる。影に怯える弱さを捨てて心を開き 闇をつかめ。嫌だと言ったら。お前は光も闇も失い、ここで消える。闇に怯える弱い心の持ち主に、このレクセウスは倒せない。さあ、諦めて。闇に心を開け。 Oula, il a l'air puissant, lui. Il a l'air très très puissant. Enfin, en tout cas, c'était stylé le coup de l'aura, là. Après, maintenant, réussir à le battre, ça, c'est une autre chose. En plus, il a pas mal de vie. Voilà, on va continuer à attaquer comme ça. Voilà. C'est bien que je me mette en mode ténèbres. Ouh, mollet, hein. Voilà. Et bim, ça fait mal, hein. C'est normal. Hop là. Vite, vite, vite. Non, 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 non. Oh. Aïe, ça suffit. Oh yeah. Oh, ça fait mal, là. Chaud. Je sais pas ce qu'il fait, là. Allez. Ouf, gagné. Je fais non, je fais que d'appuyer sur 3, moi. Je fais pas de... Je cherche pas les cartes. Ouais, ça va, y'a que des duels de cartes tout le temps. Ouais, je suis dans la merde, toi. Gagné encore une fois. Yeah. Tu te tais. Yeah. Tu te tais.
Voilà, sans fond, on envoie tout, tu te tais. Bim. Allez hop, c'est fini pour. Oh. Tu te tais, voilà. Voilà, niqué. Je pensais pas m'en sortir aussi bien. J'ai peut-être pas trop parlé, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, j'étais concentré en fait. Et soit j'ai dit de la merde, et soit. Bon, bref, de toute façon, ça changera pas d'habitude, j'ai envie de dire. Niveau plus. C'est cool ça. Et sa carte de l'ex... Je sais pas comment ça se prononce. Lexaus. Ouais, bon, bref. Ils ont qu'à pas mettre des noms compliqués aussi. Hein? Ah, j'ai gagné 2 levels carrément. Ok.遅い。 見えるぞ。 レクセウスか！ リーク、お前の心が見える。 いや、違う。 この強い闇の匂い、 こいつは！ そうだ、思い出せ。 心に私を思い浮かべろ。 アンセム！ <笑>私の名を呼んだな。私のことを考えているな。私の闇を恐れているな。それでいい。お前が私を思うほど私の復活は近づき、 やがて目覚めた私はお前の心を支配するのだ。 王様が守ってくれた。王様、どこにいるんだ！返事してくれ！ そばにいてくれるんだよな。 Je vous avais dit que ce serait intéressant. Je vous l'avais dit. Et j'ai très envie de savoir la suite. Donc on va monter tout de suite ces escaliers. Lexeus n'a pas eu ça. Bixen, Daxi, Lexeus. C'est un peu comme ça. そいつはないね。
ついさっき空と戦ってやられたふりして逃げてきたんだ。ま、次はマールーシャだな。機関に背いて空を狙ったのが運の月さ。あいつには心のままに動いてもらわねえとな。で、そっちは陸を手に入れるんじゃねえのか。ええ、彼を反逆者にぶつける予定でしたが、マールーシャが消えればもう必要ありません。目障りなだけですね。その上危険だ。あのレクセウスがやられたんだぜ。僕のやり方は違いますよ。リクの故郷についてのデータをお持ちですか？なんだ？匂いが一つ、強い力が消えた。この城の主マールーシャがキーブレードの勇者に倒されたのですよ。キーブレードの空か、空がここにいるのか。ええ、会いたいですか？いや、会えるのですか？どういう意味だ。あなたの心には未だに闇が、アンセムの影が宿っています。そんな状態で空に会うのが恥ずかしくないのですか？空は闇と戦う勇者、心に闇を宿しているあなたとは敵対する運命にある。僕の言葉を信じたくなければ自分の目で真実を確かめることですね。このカードは俺たちの。そう、故郷です。Et donc voilà, c'est donc ainsi qu'on se retrouve avec la carte de l'île du destin. Donc épisode très intéressant du coup. À mon avis, le prochain épisode, ce sera sûrement le dernier. On verra bien ce que le dernier épisode nous réserve. Et donc du coup, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Twitch TV. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.